Salut, c'est Maxime Chablot. Bienvenue chez moi. Venez, je vais vous montrer mon kit. Alors, salut tout le monde. Moi, j'utilise le Fly2 105 en 177 cm. C'est un ski avec un rayon de 35 mètres, ce qui est très très cool à skier sur la piste, j'aime beaucoup. Mais bien sûr, principalement dans la poudreuse, c'est un ski assez court que j'aime beaucoup pour faire des tricks, par exemple. Aussi dans la poudreuse, quand on n'a pas un take-off parfait, parfois c'est un peu dur d'envoyer un 3-6 ou quoi, alors des skis un peu plus courts, ça aide un petit peu. Ouais, mon tricks préféré avec, en fait, c'est le nose butter parce que c'est un ski hyper flex. Et ouais, j'ai skié ce ski depuis que je suis avec Movement. En fait, ça fait déjà 2 saisons que je ride ce ski. Et peut-être l'année prochaine, si je descends le bec des roses, je prendrai un ski un peu plus large et un peu plus long. Mais pour l'instant, c'est mon ski que j'utilise et voilà, je changerai pour rien. Alors en fixation, j'utilise la Griffon. C'est une fixation qui, je me sens toujours très bien tenu dedans. Et je la règle à plus ou moins 100 kg vers l'avant et un petit peu plus, environ 110 à l'arrière. Et je la monte au centré sur le ski. C'est ce qui est le mieux pour moi. Centré sur le Fly2, c'est un tout petit peu en arrière, mais quand même bien au milieu du ski pour que ce soit plus facile à faire des 3-6 et tout ça. Alors en battant, j'utilise le Explore 2 alu carbone, le haut en alu, le bas en carbone. Ce que j'aime beaucoup vu que le bas ben, c'est léger, du coup c'est facile à manier pendant qu'on skie. Et ouais, c'est le bâton idéal pour moi parce que je peux le régler parfaitement à 107 cm pour moi pour skier. Et si un coup il y a un long plat ou une montée, ben, je peux le faire plus long et comme ça c'est plus facile à pousser ou bien à marcher avec ce bâton. Ou alors 75 cm pour le parc. Bam, parfait. Alors pour moi, mon objet fétiche, l'objet indispensable pour moi pour aller faire du ski, ben, c'est mon casque. Parce que voilà, il me protège ma tête et puis ça me donne beaucoup plus de confiance. Et comme vous voyez ici, j'en ai plus ou moins détruit un qui m'a probablement sauvé la vie sur le Mont-Gelée il y a 2 saisons. Et voilà, c'est pour ça, le casque, c'est indispensable.